platier, herbier, zone de déferlement, passe, fond vaseux ou sableux, les holothuries vivent à des profondeurs et dans des habitats très variés. Certaines vivent enfouies dans le sable la journée et ne sortent que la nuit. Lorsqu'elles sont dérangées, quelques espèces libèrent des filaments blancs pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Elles se reproduisent en expulsant leurs gamètes dans la colonne d'eau. Il faut de nombreuses holothuries dans la même zone pour une reproduction réussie. La plupart des espèces sont capables de se reproduire au bout de 2 ans. Leur durée de vie varie de 5 à 15 ans. Les holothuries sont principalement détritivores. Elles se nourrissent de matières organiques, de bactéries et d'algues. En fouillant dans le sable ou la vase, elles nettoient et retournent les sédiments, contribuant ainsi au recyclage et à l'oxygénation des fonds marins. Vous me direz que leur corps visqueux n'est pas vraiment appétissant. Et pourtant, relativement peu consommées dans le Pacifique Sud, les holothuries sont principalement pêchées pour le marché de l'export vers l'Asie, où elles sont un mets de choix. Transformées en produits secs, elles se conservent très bien et prennent le nom de bêche de mer. Plusieurs espèces d'holothuries bénéficient désormais d'une protection à l'échelle internationale. C'est notamment le cas de 2 espèces d'holothuries dites à mamelles. Inscrites sur la liste mondiale des animaux à protéger de la CITES, leur exportation pourrait être interdite si les stocks ne sont pas gérés durablement, c'est-à-dire si l'intensité de la pêche entraîne une diminution constante des populations d'holothuries. Ces nouvelles règles exigent que les pays exportateurs mettent en place des moyens de suivi et de contrôle. Encore faut-il savoir reconnaître les différentes espèces d'holothuries commercialisées. Retrouvez plus d'informations sur le site web de la Communauté du Pacifique, notamment sur les fiches d'identification des holothuries.